Esperanza, plus de moula, Esperanza. Esperanza, plus de moula, Esperanza. Hey, l'expérience fait la différence. Vrai. Les amis, les potes, y'a nuance. Un conseil, garde la tête dans tes finances. Moula, je suis plus méfiance que confiance. Ouais. Normal, je l'étudie avant que je la fiance. Je parle pas de mes plans car je veux pas qu'on balance. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Gab Bayas. Ça dit quoi, le Gab Morrison? Ah, on est là, mon gars. Déjà, on est où en fait là? On a Port de Clignancourt dans le 18e arrondissement de Paris. Film. La crasserie, mon poteau, la crasserie. Viens, je t'emmène dans la citadelle. Ça y est, maintenant faut becter. Plus de papier, plus de babier. Je suis dans la ville, je suis pas dans l'escalier. J'ai jeté les cahiers pour vendre les cailloux. Moi, je me présente, Bayas, rappeur du 18e. J'ai la vingtaine, plus de 20 ans. Ça rappe depuis quand? Depuis 2015. Et on est dedans. Ça baraude en vélo aujourd'hui. Ouais, ça baraude, c'est mieux de péter en bike. T'as capté? Tu m'as dit, t'es là direct. J'ai dit un petit, vas-y, ramène le bike, mon cousin. Viens ou pas, mon frérot? Là, on est du côté de la rue Fernand Laborie. J'ai tourné plusieurs clips ici. Ici, c'est le réel, ici, mon cousin. C'est le Aïtine. Je connais les humains, ils sont vers là-bas, ça se pose dans l'épicerie. C'est un quartier emblématique ici. Hein. Ouais, Port des Clignancourt, on a quoi ici? Déjà, il y a moi, déjà, c'est un gros truc. Il y a les puces, il y a quoi? Il y a Jacques Mérine. C'était buté juste là, mon ref. Ah ouais? Juste là, voilà, je te parle d'un truc. Port des Clignancourt, c'est pour ça qu'on a faim tout le temps. Ouais. Jacques Mesrine, un grand bandit, s'est fait déjà ici, c'est-à-dire il y a ses cendres ici, t'as capté ou pas? Vas-y, toi t'as clippé où toi dans l'ensemble? Moi ici, j'ai toi. Clippé où? J'ai clippé pile poil ici, j'ai clippé dans l'épicerie, j'ai clippé devant le stade, dans tout le quartier, à Port des Clignancourt, j'ai clippé partout ici. Là, tu vois là, c'est les petits refs bressons, t'as capté ou pas? Donc ouais, je te disais, j'ai clippé ici, dans l'épicerie, devant le stade, partout, refrain. Toi, t'as commencé quand à rapper, toi? Moi, j'ai commencé exactement. De base, j'ai commencé, ça fait longtemps. Je connais depuis l'époque des collèges, tout ça, ça rappait dans la cour, tout ça. Mais mon premier clip, je l'ai posté quand? Je l'ai posté en 2015. Depuis 2015, ça rappe, on est là, ça essaie de faire les choses, ça se passe bien, tu vois. Et c'est lourd. Et Bayas, ça vient d'où ce blaze en fait? Bayas, à la base, c'est mon poteau, il est là-bas, c'est lui qui m'a appelé Bayas. Je sais même pas, à la base, dans la street, ça m'appelle Bayano. Et je sais même pas pourquoi un jour mon pote il m'a appelé Bayas. Et depuis, c'est resté Bayas. Mais même moi, je saurais même pas t'expliquer le pourquoi du comment. T'as capté ou pas? Ouais, la rue Fernand, c'est lui, le Big B, tout passe par lui. T'as capté ou pas? Voilà. Ça en fout lui. Hey, il rappe aussi. Hein. Ah ouais? Gilax, il arrive très très méchant. Toi, t'as fait des clips un peu ou quoi? Encore, j'espère que ça va arriver. C'est dans cette épice là que ça a clippé bien. Ouais, ici, ça fait tout. Ça fait des clips, ça fait des big chahuts là-bas. Mais ouais, la plupart de mes deux derniers clips. Mes trois derniers, je crois, ouais, je les ai fait là. Big Chahu, c'est ton truc aussi, ça. Ouais, c'est... Big Chahu, c'est. Tout le monde dit ça, qu'il est encore Chahu, Big Chahu. C'est une expression qui est propre à nous-mêmes. Chahu, ça veut tout dire en même temps. Y a d'autres expressions comme ça ici, qu'on retrouve que ici ou quoi? Il y a plein d'expressions. Ça peut déjà, ça veut dire c'est. Même là, on est dans un thème, ça peut déjà. La Gab Morrison, t'es même dans la citadelle, ça peut déjà. Derrière moi, ça me descend, devant moi, ça me témoin. Veulent pas que je monte, ils ont le démon, mais je les efface comme le crayon. Je suis l'examen, sont cribouillon. Si t'as pas de vie, cherche pas brouillon. Hey, je suis dans la street everyday, dit le bénéf tout le week-end. À la base des bases, ouais. C'est quoi qui t'a donné envie de commencer le rap? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Moi, j'ai toujours bien aimé le son, tu vois. J'ai toujours bien aimé le son. Depuis petit, j'écoute du rap français, rap carry. Et je me suis essayé dans la chambre en cachette. J'ai essayé dans la cour, j'ai vu que ça plaisait au poteau et vas-y, on s'est lancé dedans. Mais c'est vraiment parce qu'on kiffe. Et maintenant, s'il y a du bif à faire, on va le faire, frérot. T'as capté ou pas? En plus, voilà. Là, en ce moment, dans le 18e, vraiment, ce qui arrive fort, c'est la drill en ce moment. Ouais. Dans le 18, en ce moment, on est boosté. Il y a les poteaux de Best Bar en haut, ils sont boostés. Vers Max 2, ils sont boostés. Là, en ce moment, on est en ça, là. On est en boostance, on est en big chahut, comme on dit. La drill, justement, t'as déjà pensé à t'y mettre un peu si c'est pas déjà fait ou Ouais, j'ai plusieurs sons de drill qui sont coffrés que j'ai pas encore sortis. D'ailleurs, mon prochain son, ça va être en mode drill. Mais ouais, j'écoute la drill et ça va balancer un son de drill là, bientôt. Là. Y a qui d'autre comme rappeur dans la zone un peu hein? Dans le rappeur, déjà, t'as Sheila, y a des mecs comme Freebie, y a des mecs comme AMD. Y a trop de rappeurs, y a des mecs qui sont stars, des gars comme Mini Boy, des Dogs, y en a trop, frérot. Désolé, c'est que j'ai oublié, mais vous êtes trop. Et voilà, la vie de ma mère, et tous les blagues que je t'ai dit, ils sont tous chauds. Il y a même des petits frères. Il y a les qui, les Moïse, chez eux, ça arrive en léger. Oh, sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres qui clipent ici, non? Si, il y a la RB Record, Reste Branché Record. Il y a qui dans la Reste Branché? Il y a Dox, Freebie
et MCK, ils ont déjà balancé leur clip. Franchement, c'est lourd. Ils font des trucs IGTV, tout ça. Franchement, ils sont dans le truc. C'est fort, ça peut déjà, mon vrai. Au studio, tu vas où? En ce moment, je pose au KGB. Dans un studio, c'est dans le 18 à rue Stephenson. D'ailleurs, gros big up à mes gars d'Atrikaz. Et voilà, ça pose là-bas. C'est dans le 18, c'est encore là. Comme ça, je garde mon cocon. T'as capté ou pas? En plus, ce 18 là, entre rappeurs, ça soutient bien, il fait. Ouais, hein. fort, de ouf. Voilà, ça soutient de ouf. De toute façon, en fait, le 18, c'est quoi? C'est un petit village, t'as capté ou pas? On se connaît tous un peu. C'est-à-dire, même si moi, je connais pas directement le rappeur, c'est-à-dire que je connais un poteau du rappeur qui. C'est-à-dire, on se connaît un peu près tous. Toi, t'as fait un seul feat, je crois, de ce que t'as sorti, en tout cas. Ouais, j'ai fait un seul feat avec Daf, ouais. C'est un refait du quartier. Et j'ai fait d'autres feats avec des mecs du 18 qui sont pas encore sortis. Je tairai les noms, ça arrive. Ouais, ça arrive fort, faut pas dire. Dans la mixtape. Je te dirai ça en off, moi. Ah, parce qu'il y a une mixtape, du coup. Ouais. Vas-y, mon gars, explique un petit peu. La mixtape, elle arrive après le ramadan, Inch'Allah. Et gros, ça sera un mixtape de 13 sons, 13-14 sons, où genre, je vais montrer mon univers, tu vois. J'arrive en mode, je parle de moi, de ce que je veux, de ce que je vis. C'est mon univers, t'as capté. Team La Citadelle. Hey. Tout ça, c'est La Citadelle. Toi, ça fait depuis combien de temps que t'es ici, toi, mon gars? Moi, frérot, je suis né et grandi à Port-de-Clignancourt. Je suis né à l'hôpital Bichat, juste à côté, là. Bon, c'est dans le 17, mais c'est dans le 18, collé, c'est t'as collé, capté. Ouais. Et j'ai toujours été là. La seule fois où j'ai déménagé, ma gueule, entre guillemets, c'est quand Daran m'a ramené mon Keblo au bled. Sinon, après ça, j'ai jamais déménagé. C'était où que t'es parti au bled? En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Ici, c'est un quartier... C'est différent de tous les autres quartiers ici, non? Ouais, Clignancourt, c'est spécial, hein, tu connais. Hein. C'est spécial, on a notre manière à nous de penser, tu vois, c'est quoi? Ouais. On est vraiment dans notre thème, on est dans nos chahuts, frère. On est archi dans nos chahuts, on est dans nos trucs. Après, t'as vu, on connaît des gens ailleurs, mais autant on est vraiment dans notre thème. Antisus beat, on n'est pas dans les trucs. Clignancourt aussi, c'est connu. Pour le fagal. Ouais, mais tu connais, poto, hey, ça vient de Clicli, mais hein, tout est réel sur nous. Hein. Je suis en Uchini, tu vois. Tout poto, j'ai arrêté de m'habiller ici depuis allez mes 14-15 ans. Ah, ça ouais. Mais des fois j'ai le seum. Hein. Quand je dis aux gens j'habite à Clifton, ils regardent mes sapes, ils pensent que c'est du faux. Alors qu'on n'est pas dans le hé-hé, mon ref. Ouais. On arrive sur le boulevard Ney. Boulevard, ouais. On est côté boulevard Ney. Si tu serais venu ici le soir, tu aurais vu rafale de tapin et de gauche. Quoique même tu peux en voir ici. C'est grand ici, tu m'as dit en plus. Ouais, le quartier il est super grand. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas forcément, après ça que c'est la citadelle ici, tu vois c'est quoi. Mais les gens qui connaissent pas forcément où ça traîne, ils peuvent, bah toi la preuve, je pense qu'à l'ancienne quand tu venais ici, ou les gens qui viennent ici, ils vont au puce et après ils se cassent. Ouais, 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 c'est mais poto, il y a un truc, vous me parlez mon cousin. C'est 8ème, hey chill. Bon, qui dit qu'on est en plein Paris, ouais. Qui dit qu'il y a des beaucoup de grecs. Il y a trop de grecs. Celui-là il est très bon, le sud foot. Tiens Kraï, le sud. C'est quoi le meilleur des alentours un peu? Le meilleur, je te dirais. Pour moi, c'est le Galatasaray. Il est en plein port de Clignancourt. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, si t'as Clicli, mon cousin, t'as un peu la dalle, t'es chahuté, va juste au gala. Tu vas bien manger. Si c'est trop chez moi, mon frérot, viens voir. T'as capté ou pas? Déjà, d'entrée, il y a qui ici là? Bah, il y a. T'as capté ou quoi? T'as kiffé ici du ouais, coup? Moi, j'ai fait un clip dans cette épicerie là, à l'ancienne. Et bon, c'est la citadelle encore, mon refrain. Ça peut déjà. Là, on est dans la rue Marcel Samba, René Binet. Là, on rentre dans le square Marcel Samba. T'as vu ici, là, on va dire là, c'est. Ah, regarde, il y a les méchants. Il y en a beaucoup, hein. Il y a les méchants, tu sais. Quand ils sont comme ça, là, c'est qu'il y a un big chahut, mon gars. C'est chahuté dans la zone. Du coup, vu qu'ici, en plus, on est en plein Paris et tout, j'imagine que les Schmitt, là, quand tu as clip, ça va débarquer vite. Hein. Esperanza, on l'a clippé pile poil ici. Ouais. On a fait une scène dans l'épicerie, on a fait une scène ici. Fallait voir. Des keufs de tout part, voilà. Ouais. Voilà. Justement, Esperanza, ce clip, tu peux en parler un peu, parce que déjà le nom, c'est pas un nom commun. Bon, tout en ça, fait, tu vois. Esperanza, comment je l'ai fait? En fait, le truc sur Esperanza, c'est qu'il est assez spécial. J'avais posé les deux couplets et tu connais, j'étais bloqué un peu au refrain. Après, je me suis mis à chantonner un truc, Esperanza, bim, c'est venu, mais Esperanza. Et j'aime bien le titre parce que quand tu te fies au titre, tu penses pas à ce que le son il soit comme ça, t'as capté? Ça a été clippé ici du coup. Ouais, je l'ai clippé ici, pile poil. Il y a encore les méchants, tu les entends ou quoi? Ouais. Ça pue déjà, il y a trop de méchants. Voilà. La big citadelle, c'est comment? Calme. Oui. Tu connais les refs, ils sont en mode citadelle. Hein.
Ici, nous, en fait, tu sais quoi? On a un truc, genre pour dire quartier, on dit pas forcément quartier, on dit la citadelle. C'est-à-dire, vous, vers chez vous, si vous dites citadelle, ça vient de Clignancourt. Ça vient de Clignancourt, ouais. Fort, la citadelle. Ça, c'est quoi? Ouais, vas-y, du coup, tu me disais ton clipper, toi, en ce moment. Ouais, moi, mon clipper, c'est qui? C'est Léo Mazzoni. C'est un mec du 18 aussi. Et il m'a fait tous mes derniers clips. Et franchement, il est lourd. Hein. Et il y a une bonne alchimie entre lui et moi. On s'entend bien. C'est-à-dire, des fois, j'ai même pas trop besoin de lui parler. Qui capte que cette insert-là, faut la laisser dans le queutru. Que gros, il s'est passé trop de choses ici. J'ai grandi ici. T'as capté ou pas? Ouais, ouais. Ça, c'est un square qui m'a vu grandir. Et voilà. Ici, il y a eu des têtes qui sont cassées. Des darons qui ont boxé des petits ici. Même moi-même, je crois, ma daronne, elle m'a déjà chicoté dans ce square-là, mon frérot. Et ouais, du coup, toi, à part ça, les projets pour la suite, t'as dit, il y avait une mixtape. Ouais, ma mixtape, elle arrive. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à part ça? Bah, du coup, il y a des clips qui arrivent. Aussi des clips. J'ai fité sur un projet d'un poteau. Je pense pas que j'ai le droit de dire son blaze, mais ça sortira sur sa mixtape à lui. Et il y a pas mal de choses qui arrivent musicalement. Là, je vois, il y a un terrain là. Ouais, ici, c'est le terrain. René Binet, mon poteau. Même ici, j'ai clippé ici. T'as clippé ici, ouais? Ouais, ça a clippé ici. Gros, j'ai grandi ici. Ma maternelle, elle était juste là-bas, mon école primaire, tout ça. Ah, ouais. T'as capté ou pas? Oh, c'est bien, là je vois, ça joue bien ici, ouais, à Clignancourt. Il y a les petits, il y a les grands, il y a les moyens, tout le monde est mélangé ici, mon ref. Ouais. Ouais. Et si ça marche, mets ma cepille sur le bon coin. Si t'es pas OP, tu perds tous tes points. Et si ça marche, mon gars, ouais, ici à Clignancourt, ouais. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a moins de rappeurs qui se mettent en avant et tout que dans les autres quartiers du 18ème. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, là, le truc, c'est quoi? Là, tous les rappeurs, ils sont dans le labo. T'as capté ou pas? Là, ils sont en mode laboratoire. Là, moi, on va dire, moi. Je suis le cheval de Troie entre guillemets. Ouais. J'ai lancé le queutru. Ça fait un peu ce que ça fait. Et les refs, ils arrivent. Ils vont arriver à toute patate. T'as vu, c'est-à-dire ici, dès qu'il y en a un qui pète, ça va être un raz-de-marée, ma gueule. Retiens bien ce que je t'ai dit. Hein. Ouais. S'il y en a un qui pète à Clignancourt, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça va être un raz-de-marée. Parce que il y a trop de talent, frérot. Vraiment. Justement, il y a qui d'autre ici comme rappeur que tu t'aimerais bien mettre en avant, tu vois? Que j'aimerais bien mettre en avant. Il y a mon petit ref Free Benga, Free B, méchamment fort. Il y a mon petit ref AMD, très fort. Il a fait un clip quand il était petit, clic lisse le sale. Et il avait bien pris ce clip-là. Et après, il y a d'autres rappeurs, il y a Dox, il y a plein de rappeurs qui arrivent, tu vois. Il y a mon ref Migos, on a fait un son ensemble très très lourd, qui va arriver très lourd aussi. Et donc, il y a pas mal de têtes, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comment la réalité à Clignancourt? Poto, c'est réel, hein, poto. Là, t'es en plein Paris, guette. Les gens dorment dehors. C'est dur, poto. Et ça veut dire, faut pas croire que c'est Paris côté 1. Là, c'est les citadelles de Paris Nord, mon cousin. Parce que justement, t'as vu, tous les gens, ils sont pas français, ils pensent, tu vois, Paris. Tu vois de quoi je parle? Ils pensent à la Tour Eiffel, tout ça et tout. Bah, parce qu'en fait, je pense que ils s'attardent que sur ça, frère, tu vois. Les gens, ils s'attardent plus. Quand ils pensent Paris, ils pensent Tour Eiffel, Champs-Élysées, Fashion Week. Alors qu'il y a ça aussi à Paris, mon pote. Ouais. En plein Paris, il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens, ils mangent pas. Il y a de la prostitution, de la toxicomanie. Il y a beaucoup de crack, mon pote. Dans le 18ème, c'est du crack. Bah justement, à côté, là, à la porte de la chapelle, c'était la capitale du crack. Je sais pas si ça est toujours, mais j'imagine que les crackers, ils doivent venir jusqu'à ici, non? Ouais, en fait. Tu sais, c'est quoi? Le crack, gros, il a implanté dans le 18. Ça fait, même moi, je suis pas né. T'as capté ou pas? Et le truc, c'est que, gros, il y a des gueuches partout. Tu vas à Porte-la-Chapelle, il y a du gueuche. Tu viens à Clicli, il y a du gueuche. Tu montes en haut, il y a du gueuche. Le crack, c'est un raz-de-marée, mon pote. Je te mens pas, gros, c'est réel, mon gars. Ouais. Ça, c'est quoi? Là, t'es avec mon ref, Cartel. Ouais, c'est moi. Poto, la star. Tout le monde le connaît. Toucher le sol. T'as vu dans le clip Esperanza, c'est lui qui a retourné le pétrole. Ah ouais? Voilà, il a mis la folia dans le cœur des gens. Ça fait déjà comment il a retourné le quartier. Franchement, voilà. C'est bien passé le clip. Il a fait ça propre. Il a bien aimé, c'est bien passé. À refaire d'ailleurs, mais dans son prochain clip, il m'a pas appelé, j'étais pas là. Non, il était pas là. J'étais pas là. Il était pas mon diète, mais évidemment, je l'ai raté. Il était dans le bouquet. Ouais. Ok, remets ça une prochaine fois et t'inquiète, je vais pas te décevoir. Hein. C'est chacun son temps mani, faut pas faire la leda, j'suis la frappe d'âge, j'suis la frappe de me das ou pillage, j'peux commettre meurda. Hey, elle me connaît, c'est que j'ai plusieurs putains de connexes que je détaille rapide la scène. On est dans le côté nord du Tchex, côté Henri Brisson. Ça veut dire, moi chez moi, c'est le port de Clignancourt encore jusqu'à Henri Brisson.
Après, il y a le talus un peu vers là-bas, mais vas-y, moi je suis plus vers où je t'ai montré, tu vois ce que je veux dire. Ouais, il y a des clips qui se sont faits là, non? Ouais, ici j'ai fait un clip qui a pas mal tourné, original gangster. Je l'ai fait pile poil ici aussi. Je connais, nous, on est des mecs de Paris, on est trop dans les épiceries, dans les ruelles, dans les citadelles, je sais quoi. Ça plaît déjà, c'est-à-dire que je l'ai fait pile poil ici, gros. Gros, pour te dire, je suis pas un menteur, Bichat, c'est juste là, ma gueule. Ah ouais? C'est là que t'es né là-bas, là. T'as capté ou pas l'hôpital, Bichat, c'est juste là, gros. Ah, vraiment. Un gosse d'ici. Vraiment, ça, ouais, t'es né ici, ouais. Je suis un gosse d'ici, mec. Là, mon ref, t'es en plein, là, ici, ça s'appelle les places. Ouais, t'as clippé ici un ouais, petit peu. Ouais, hey, j'ai fait trop de clips ici. J'ai fait quoi? J'ai fait une série de freestyle, elle s'appelle Chahut. J'en ai clippé quelques-uns ici, là, des freestyle pile poil ici, là. Avec mon gars Cartel que t'as vu tout à l'heure. T'as un rappeur à nous présenter, Bayas. Elle est là, ma resta, elle est là, ma resta. Ça reçoit MD, viens. Les clients en cours, ma gueule. Viens te présenter un peu là. Comment? Montre-leur comment ça peut être déjà la vérité. C'est la zone ici, hein. Ici c'est très dangereux. Hein. Voilà, faites attention. Voilà. Toi, t'as fait des clips un peu, toi? Ouais, moi j'ai fait des clips. Hein. Là, je suis en préparation, t'as vu, on enchaîne. Quartier, t'as vu. Plus de cash, plus de frappe. Cette année, y'a plus de place au Pougave. Pougave. Charismatique comme Achimi. Yeah. Le rack des freins boîtier, yeah. T'as un camion. Yeah. Montant grade, il s'écarte. Yeah. Je l'abaisse pas, même si j'aime les coucher. Les noirs sont des vulgarisations. Yeah. X3 pour ma ville, c'est savoir être une arme. J'y suis plus loin qu'une roquette. Il a sorti un clip. Clic-clic, c'est le sale. T'avais quel âge, Albata? Il avait 7 ans, 6 ans. Et le clip, il a becté fort. Voilà. J'avais quoi? J'avais peut-être 13 ans, 14 ans. Mais. Genre en gros c'était quoi? C'était le truc qui a marqué les gens, c'est que les types ils arrivent à moi, voilà, c'était vraiment des petits, voix des petits, mais ce qu'ils disaient c'était du sale, t'as vu? En mode clic-clic c'est le sale, c'est-à-dire c'est un fervent représentant de la citadelle. C'était quand ça ce clip là MD? C'était quand? Ça doit faire là je veux dire 5 ans. 5 ans ouais. Ça va faire 5 ans. Et tu connais là j'ai continué, j'ai pas lâché, t'as vu? J'essaye de faire les choses, t'as vu? Ça prend. En mieux, t'as vu? Ouais. Dans ta gêné, y'a des rappeurs ici un peu ou quoi? Ouais, y'en a. Hein. Y'a Fribé, y'a Modox, y'en a plein. Y'a beaucoup de rappeurs, y'en a, ils ont rien sorti, mais y'a vraiment du talent, t'as vu? Je te mens pas. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, t'as vu ici, si voilà, y'en voilà. A un qui pète, sur PP, y'a tout le monde qui bête. T'as capté? Ça fait déjà. Un seul. Personne n'est sorti du lot, t'as vu? Ouais. Mais t'inquiète même pas. Dès qu'il y en a un qui va faire un chahut, tout le monde va savoir que c'est qu'il est en cours direct, t'as vu? Ouais, direct. Je sais pas si tu vois, y'a Barbès, y'a part, t'as vu, dans le 18ème, t'as vu, ça rappe. Mais nous aussi, on essaie de faire un petit queue truc, t'as vu? Ça prend, Inch'Allah, t'as vu? Là, je te présente le mannequin de ma citadelle, mon gars. Ça va, tu vas bien? Big Prada, c'est moi. Big Chahut. En série, en shit. Le Big Lou, là, je connais Marlo, tout est bon. Il y a le ref. Ben, je crois que je te l'ai déjà présenté. Ouais, mais je ne sais pas montrer, énervé, la capitale. Par ton là. Tu connais, vocal. Tout le monde va. Les refs, ils sont là, pose-leur des questions, dis-leur tout. Tu valides un peu Bayas ou quoi? Bien sûr. Ouais, c'est la famille. T'as écouté les exclus ou des trucs comme ça un petit peu? J'ai écouté, ouais, en mode Dino. Bon, c'est bien alors. Ça arrive, ça peut être déjà. Wow. Là, je suis avec eux, le Fribenga, je connais, méchant, c'est ça va arriver bientôt sur la page Insta, restez branchés. Il y a des clips, t'as fait des clips ou quoi Insta. Toi, ouais, sur Insta. Il y a des clips, il y a un clip qui est sorti sur Insta, il y a un clip sur YouTube avec le frérot Doc et MCK. On est ensemble, ça va arriver, ça va arriver. Des records, je dis pour des clients pour frérot, il y a trop de talent, c'est un seul qui pète, c'est un carnage, c'est un big chahut. Tout le monde va manger. Voilà, fort, on en veut ça mon gars. Mon ref, ouais, mon pour terminer, j'ai la dernière question. Ouais. Là, je la dis tout le temps. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, c'est la Côte d'Ivoire, mon cousin. Non, je rigole, Paris, tu connais. Paris, ouais. Paris. Ah, forcément. Ouais. Vas-y, t'as des réseaux aussi, on peut te retrouver un ouais, petit peu. Ouais, mes réseaux, Bayas officiel sur Instagram, sur Snapchat, BendoBoy18II. Et tu connais, on en bleu sans big, chahut, ça peut déjà. C'est pas pour les jeunes, ça peut déjà. Ça y est, maintenant faut becter. On m'appelle Big Chahut dans la cité. Là, c'est le A-Team qui te parle. Donc, baisse la tête et obéis. Joue pas les Obélix. Je suis à 2,80 dans le bolide. Transforme le solide en liquide. Transforme le solide en liquide. Eux, c'est pas mes gavas. Ils sont mon casque, m'appelle la Russie des charrons. Ici, c'est les cravons. C'est avec Pedro Sanchez en mode London. Elle croit que je vais la baiser. Elle est grave conne. Elle est grave bonne. Mais je peux pas m'attacher à ça. Je cherche la moula comme Esperanza. Qui me motive à tout briser, c'est ma madre, c'est ma. Oh, Big Chahut, ça y est, maintenant pour becter, c'est pas pour les jeunes, ça fait déjà. La capitale des problèmes, ton chien nous raconte pas tes proverbes. Aucun lien, j'ai coupé les fils, bourré talent, je suis Yves, non, je rigole, c'est du coca. Je pars à la guerre masqué comme Zoro, pour le fric de bois, avant l'air, plus de sentiments, il me reste des coros. Riche à la M, 3 TCDM, toute l'année, les keufs font des enquêtes sur Bémon. Posté à midi, j'ai trouvé ma vocation. Toi, t'es là que quand y'a lumière, les mecs qui sont les plus relous souvent au quartier font des déclarations à des poufs. T'as fait mon cardio, y'a trop de péripéties. Si je vais au star, ils diront que j'ai grossi. Porte de clients court, c'est pas en France, on s'arrêtera jamais. Ouais, j'ai la vision de jeu comme Iniesta. Putain, passeport Paris.
ici il est fichu. Les petits sur la ligne, je crois qu'ils viennent de voler un Vespa. BD en retrait si ça pète pas. Rarement un piéton, l'ennemi comme une clope, on le piétine. En tout cas, 25%, je construis ma vie, y'en a qui veulent que je la détruise. On fait avec les moyens du bord, mais quand faut faire des sous, dis-moi pourquoi t'as peur. Bien sûr que j'ai peur de la mort, mais si je les bicrave, c'est pour gratter du pierre. Kiki, c'est le sale, c'est la ouest, bien trop charo pour ramasser les restes. Kiki, c'est le sale, c'est la ouest, bien trop charo pour ramasser les restes. La roue, la vraie, nous y'a pas de mytho, là, à grader comme blanc passant par la mitonne. J'observe et fais mes sons incognito, pendant que tu portes l'œil, en plus de ça, tu mitonnes. Chaque film, il reste solo, mais c'est sale. Pour l'instant faut que ça bête et c'est ça. Des fois je me pose des questions. Des fois je me pose des questions. Je me demande si je vais m'en sortir ou bien la rue va m'avaler. S'il y a embrouille et que ça tire, quel but ton tien va cavaler. La rue c'est plus que taré. Les autres rues sont plus que parés. Et ça sort dans la bouche, je ferai le grand écart. J'aurai un axe, le sera des gros dégâts. Calé sur la M et pour l'instant ça débat. Prends le mic, petit bonheur, le top débat. Calé à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée. Dis-moi, il faut test qui, tu veux mes skins, gros, dis-moi, quand tu cherches qui. Quand tu t'apprends, tu crasses tout comme un boulimique. Je considère que y'a pas de que tu polémiques. Pour les mecs en face de toi, même si qu'on est nique. Autant de shit pour ouvrir les deux portes, la tête. Les caca la soie attirée, mais moi je les touche pas. Quand t'es mes bras attirés, tu seras et touche pas. Pas trop, dans des liens, des touches pas. Rue de la Moscou, gros, c'est là, où tous pas. Merci, 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 merci,